Eh bien là, vous n'y croirez pas à vos yeux. Ah, 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 ah. Mais où va le monde? Où va le monde? Le diable au travail. Mais où va le monde? Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh, je suis choqué. Je ne vous raconte pas ça. Non, vous n'allez pas bien comprendre. Il faut que je vous raconte cette histoire, cette affaire, dans le moindre détail. Ça vient de se passer. Ce pasteur que vous voyez là-bas, ouais, ce pasteur que vous voyez là-bas, a été tué. Où? Dans son église. Comment ça s'est passé? Je vous explique. C'était un lieu de culte. Il était tranquillement en train de prier pour les gens à l'église quand des hommes armés sont entrés dans l'église. Et tenez-vous bien. Quand les gens armés sont entrés dans l'église, là, ils sont venus vers lui. Ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, êtes-vous la personne qui se trouve sur la photo? Parce qu'ils lui ont montré sa photo. Genre, ils ont montré une photo. Il dit, regarde la photo. Est-ce que c'est toi sur la photo? Pasteur, est-ce que c'est vous sur la photo? Il dit, oui, c'est moi. Quand il a dit, oui, c'est moi, il dit, ok, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, veuillez nous suivre. Jean, ces gens-là, vous allez le faire sortir maintenant de l'église. Il dit, non. Si vous voulez me tuer, tuez-moi ici. Hein? Ça dit, sur le pépitre, genre là où on peut dire, là où il y a la chair, là le pasteur s'arrête pour prêcher. Le pasteur dit, on a posé la question, dit, est-ce que c'est vous sur la photo? Il dit oui. Il dit, ok, suivez-nous. Il dit non, il ne peut pas sortir, il ne veut pas sortir. Et que si cet assaillant veut le tuer, qui le tue ici? Voici comment ces gens-là, armés, l'ont abattu, l'ont tué. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce pasteur aurait été tué dans les locaux de l'église située dans la région de Maïdan à Ikosikotu, dans l'état de Lagos. Donc là, on se trouve au Nigeria. Au Nigeria. Eh bien, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Vraiment, c'est un choc. Il s'appelait Bolan Ibrahim. Bolan Ibrahim. Tout ce qu'on a vu, ça a été dans le choc total. C'est le passé, sur les tués, ils ont fait du mal à la personne. Ils sont venus avec la photo. Dis, est-ce que c'est vous? Ils ont posé la question, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous connaissez sur la photo, genre pour l'identifier, quoi? Quand il a dit, non, ok, est-ce que vous pouvez nous suivre? Il dit, non, si vous faites le tuer, qu'il tue ici. Voici comment ils l'ont tué dans le locaux de l'église. La question que les gens se posent aujourd'hui, c'est, mais, que s'est-il passé? Mais, que se passe-t-il?
Est-ce un règlement de compte? Est-ce un règlement de compte? Vraiment, on a du mal, quoi. Juste après la mort de Timmy Choua. Et qu'est-ce que la police dit par rapport à ça? La police dit, nous enquêtons sur l'affaire car nous avons un indice sur le meurtre. La police dit qu'elle enquête sur l'affaire parce qu'elle a un indice sur le meurtre. Et le commissaire de la police de l'État de l'Écosse a déjà le dossier en main. Vraiment le Nigeria. Hein? Vraiment le Nigeria. Hein? C'est pas si on n'attend pas de bonnes nouvelles sur vous. Hein? Est-ce que vous avez regardé la vidéo précédente même? C'est un fils qui a tué son sugar daddy. C'est-à-dire, genre, l'homme riche avec qui elle sortait là. Le mari de quelqu'un qui chez les petites filles de la dehors. La fille a tué comme il se doit. Puis ce document. Puis le document, c'est pourquoi était. Puis son argent, sa voiture. Elle est partie dans un maquis. Non, dans un autre hôtel pour fêter ça avec ses amis. Vraiment, ce monde-là, si Dieu a dit dans le passé que il regrette d'avoir créé l'homme là, c'est pas en vain. Ceux qui l'ont détruit avec l'eau là sont de retour encore aujourd'hui. Est-ce que vous en rendez compte? Avant même de le tuer, hein, ils lui ont montré sa photo pour l'identifier s'il était réellement la bonne personne pour laquelle ils étaient venus. Oui. Apparemment, c'était vraiment un gentleman, c'était un homme bien, selon ce que les témoins que j'ai dit. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Les gens pensent que c'est juste un règlement de compte, peut-être, c'est peut-être un règlement de compte. Un règlement de compte avec un pasteur. Vraiment. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, vraiment, le monde à l'envers.